Bonjour, bonsoir, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Merci d'être fidèles à votre canal d'information Teller TV et bienvenue dans votre émission Droit de savoir. Élections présidentielles, crise économique et financière, nouvelle pandémie, la COVID-19, crise sociopolitique, dette insoutenable. Voilà qui caractérise l'actualité de la République du Congo, si appelée Congo-Brazzaville. Mais quelle est donc l'implication de la jeunesse congolaise dans la recherche des solutions à ces multiples crises qui minent le pays? Pour tenter de répondre à ces questions, nous recevons sur ce plateau M. Eric Bandou, il est président du mouvement congolais pour le renouveau. Bonjour M. Eric Bandou. Bonjour M. Christian Perrin. Comment on se porte et comment va le mouvement congolais pour le renouveau? Le mouvement congolais pour le renouveau se porte très bien, à l'exception de la situation en face de nous, la situation du Congo. Sinon, le mouvement se porte bien et le mouvement est bien debout pour effectivement faire des propositions à la crise que traverse notre pays. Lorsque vous dites à l'exception de la situation qui est en face de vous, c'est quelle situation? La situation du Congo-Brazzaville. Dans quelques mois, dans moins de deux mois, il y a le gouvernement en place, le pouvoir des incompétents qui amène le peuple congolais aux urnes. Donc à cela, ça nous interpelle tous, étant loin du Congo-Brazzaville. Ils ont parti de la diaspora. Nous ne voulons plus accepter cela, qu'on nous amène dans un chemin obscur, et surtout pour le peuple congolais. Donc, nous voulons changer le logiciel du Congo Brazzaville, dont nous représentons ce nouveau logiciel dorénavant. À quand remonte votre dernier séjour au Congo Brazzaville? Ça fait plus de 25 ans que j'ai quitté le Congo Brazzaville pour venir poursuivre mes études à l'université, c'est-à-dire que le troisième cycle d'ici en Europe, probablement. Minute par minute, nous suivons la situation du Congo, et tout en sachant que le Congo traverse une crise très profonde financière. Et de cela, malgré étant éloigné, nous sommes beaucoup dérangés par cette situation, de voir notre pays se retrouver dans une situation de cessation de paiement, l'État en faillite, et dans cette faillite, nous ne pouvons pas aller trouver des solutions ailleurs. Ceux qui sont responsables de cette faillite, c'est le gouvernement en place, et sur ce, nous nous levons pour dire qu'il faut stopper cette hémorragie, de conduire le pays dans le gouffre. Donc, raison pour laquelle aussi le nom de notre mouvement, le mouvement congolais pour le renouveau, il faut qu'il y ait du renouveau, changer le logiciel, n'est autre que changer des hommes, parce que nous avons tendance à constater que les mêmes hommes qui sont là, qui sont au pouvoir depuis les années 75 et rien n'a changé. Le Congo n'a fait que reculer 50 ans en arrière, car tout est complètement dévasté. Raison pour laquelle le Congo a besoin des nouveaux hommes qui seront amenés à apporter des solutions, comme ce que disait Kennedy. On n'attend pas ce que la nation congolaise doit faire de nous, mais la nation congolaise attend de nous ce que nous allons pouvoir apporter, parce que moi personnellement, je suis redevable envers ce pays qui est le Congo, qui m'a tout donné. Et à mon tour, effectivement, il va falloir aussi que j'apporte cette valeur ajoutée. Et vous allez le constater, grand nombre des Congolais sont aujourd'hui à l'extérieur en fonction de la politique qui est menée par un pouvoir voyou au pouvoir à la tête du pays, un destructeur qui a tout détruit, tout ce que lui ont laissé ses prédécesseurs, il a tout détruit, il n'y a plus rien. Et voilà, donc nous sommes interpellés, nous interpellons aussi notre jeunesse, le pouvoir a aveuglé et nous voulons qu'il y ait un rebondissement de cette avec les outils modernes que nous avons, avec le numérique, nous pouvons communiquer pour dire ne plus jamais accepter qu'on nous amène dans des chemins obscurs. Et raison pour laquelle nous sommes éveillés, nous sommes debout. Ce qu'on nous a fait consommer les années antérieures, nos parents ont subi cette politique d'intimidation, d'assassinat, de pillage. Nous ne voulons plus, en plein 21e siècle, vivre ce genre de choses. Lorsque nous observons et nous constatons, vous et moi, 90% de la population congolaise vivent sous le seuil de pauvreté, alors que le pays est riche. Nous sommes indignés, nous sommes tristes, et raison pour laquelle nous avons une crise économique, sociopolitique
multidimensionnelle, qui est très profonde. Nous voulons donner la chance à la jeunesse, qui est complètement marginalisée sur tout le plan. J'ai semblé bien comprendre votre première réponse. Vous parlez, en fait, vous souhaitez une alternance politique. L'alternance politique veut aussi dire les élections, et il y en a là qui se présentent déjà en mars. Nous avons une élection présidentielle en mars 2021 au Congo-Brazzaville. Est-ce que vous participez à ce processus électoral? Prendrez-vous part à cette élection ou non? Monsieur Parrain, je crois que comme vous et moi, comme tout compatriote congolais où nous nous retrouvons aux quatre coins du monde entier, nous ne saurons accepter qu'on puisse nous faire consommer quelque chose que nous ne pouvons pas consommer. Déjà, si sommes-nous arrivés à ce niveau, le destructeur, l'État voyou qui est en place, ils sont à l'origine de tous les malheurs, de toute la misère du peuple congolais. Pour nous, c'est un fake news, c'est un non-événement. Nous avons notre calendrier. Lui, le dictateur qui a tout mis à genoux, qui a tout détruit, il a son calendrier. Mais ce faisant, nous, la nouvelle génération, tout à l'heure, je vous ai dit que nous voulons le changement de ce logiciel. Parce que ce logiciel ne répond plus aux normes de la mondialisation, aux nouveaux défis auxquels nous sommes amenés avec toute cette valeur ajoutée que nous avons acquise dans des pays européens. Et ailleurs, y compris aussi, nous avons aussi de la valeur ajoutée au pays, bien sûr, les gens qui ont étudié, mais qui n'ont jamais connu le travail, c'est quoi? Pas qui n'ont jamais connu une fiche de paye. Donc, nous voulons également changer la classe politique parce que cette classe politique, elle est vieillissante. Elle a montré son incapacité sur tous les plans. Ils ont fait de la politique comme étant un métier leur a sonné lorsque nous leur demandons les comptes. Ils ont mis le pays en faillite, en état de cessation de paiement, on n'est plus crédible. Le pays est dans un état d'insolvabilité incroyable. Moi qui vous parle, je suis économiste de formation, je suis économiste de banquier financier, donc je mesure bien les expressions que je sors. Pour revenir, cette élection pour nous, c'est un fake news et c'est un non-événement. Mais par ailleurs, nous, la nouvelle génération, nous exigeons effectivement le changement de logiciel. Cela ne peut que se faire par un dialogue national inclusif qui va permettre de résoudre la situation, la crise financière que traverse notre pays sur tous les plans, que ce soit dans le domaine de l'éducation, que ce soit dans le domaine de la santé, que ce soit sur tous les domaines, hein, que cela soit au niveau des entrepreneurs économiques, rien ne marche. Imaginez que un Congolais qui vit avec un montant de la journée de 1 euro. Il y en a même ceux qui n'ont pas de quoi manger. Avec une seule expression, vive. Ça veut dire qu'aujourd'hui, tu vas manger de même et tu ne connais pas ce que tu vas manger. Et ce faisant, quand il y a eu les voyous au pouvoir, ils sont venus pauvres au pouvoir, mais aujourd'hui, ils en massent des milliards avec des placements financiers, avec ils ont placé de l'argent dans les paradis fiscaux. Et ils marginalisent le peuple congolais. Au Parlement congolais, on n'a pas aussi de représentants. Donc, le peuple est exposé, se retrouve dans la rue. Donc, ce monsieur au pouvoir, il a eu certes à corrompre les quelques faux opposants. Donc, il y a certains faux opposants qu'il a mis dans sa poche. Mais il oublie une chose, des opposants qu'il ne peut pas convaincre. C'est l'opposant de la misère. Parce que le peuple se retrouve dans le gouffre, dans une situation criarde. Donc voilà, donc pour nous, c'est un fait de news. Les élections qu'il prétend aller aux élections, amener le peuple, mais vous ne pouvez pas amener un peuple aux élections. Sur quelle base vous allez pouvoir les amener aux élections? Il n'y a pas eu de recensement. Ils ont fait des guerres pendant les 20 ans qu'il est revenu au pouvoir. Ce criminel n'a fait que faire des guerres, tuer sa propre population, acheter les armes pour mater la population. Comment voulez-vous qu'on puisse aller voter dans des conditions comme ça, où il y a la terreur qui règne surtout? Oui, mais Eric Bandou, au-delà de ce que vous pensez que c'est un fake news, c'est-à-dire pour vous c'est un non-événement, qu'à cela ne tienne, l'élection aura bel et bien lieu. Et je sais que vous suivez aussi l'actualité politique au Congo. Qu'est-ce que cela vous inspire de voir la manière dont cette élection est en train de s'organiser dans sa précipitation? D'autres parlent de manque de transparence. Qu'est-ce que ça vous inspire?
Personnellement, M. Perrin, moi, ça ne m'étonne pas. Le monsieur qui est au pouvoir, le voyou qui est au pouvoir, ce criminel, il n'a fait que ça durant toute sa vie. Imaginez, il est aux affaires depuis... Là, je rappelle ce point qu'il est aux affaires depuis 1975. Que le président Gwabi n'était qu'un simple instrument. Mais à bien voir, c'est Sassou Nguesso qui commandait. Depuis 1975, ce monsieur n'a jamais connu une élection. Il n'a jamais gagné une élection de sa vie. Donc, curieusement, je suis surpris qu'ils prennent l'audace et l'amabilité de ramener le peuple congolais d'aller aux élections. Et cela, les élections précédentes, vous savez ce qui s'est passé. Il n'a jamais gagné. Il s'est imposé par la dictature en proclamant les élections de 2016 à 3h du matin. Donc, croyez-vous que vous ne pouvez pas amener un peuple aux élections, un peuple qui est malade? Ce peuple est malade. Rien ne fonctionne. Ils ont faim, les salaires ne sont pas payés, les bourses des étudiants ne sont pas payées, les pensions de retraités ne sont pas payées. Imaginez dans quelle situation il faut être fou pour faire ce genre de choses. Comment pouvez-vous amener soit votre famille ou bien un peuple qui est dans une situation déplorable, qui est dans une situation de maladie, une incompatibilité, monsieur Perrin? Mais est-ce que ce n'est pas là l'occasion, évidemment, d'aller aux élections pour voter pour un candidat qui pourrait apporter des solutions à ce nombreux problème que vous faites état? Toutes les conditions ne sont pas réunies d'abord. Monsieur Perrin, est-ce que ce dernier qui veut aller aux élections avec ses opposants choisis dès l'avance, est-ce qu'il y a eu le recensement du peuple congolais tout en sachant que le Congo, nous avons été envahis par les étrangers? Ils ont fait venir les étrangers pour venir voter le monsieur qui est au pouvoir, qui n'a rien fait de cela. 46 ans de pouvoir, il n'y a pas l'eau, il n'y a pas l'électricité, l'école est complètement détruite, la santé est complètement détruite, le peuple a faim, les retraités ne sont pas payés, les étudiants, ceux qui sont à l'extérieur, il y en a même ceux qu'on a chassés dans des campus universitaires qui dorment dans les marchés en Afrique de l'Ouest. Il faut être un malade mental pour amener un peuple, le peuple congolais, d'aller voter. Et puis, on ne peut pas aller voter dans un climat d'insécurité, M. Perrin. Donc, raison pour laquelle nous, la nouvelle génération, nous voulons effectivement résoudre ce problème. Et la résolution de ce problème ne peut que se faire comme nous l'avons fait en 92. Si lui également, il est crédible, qui se dit qu'il va pouvoir gagner les élections, mais on ne peut pas aller tout d'un coup comme ça, taper le bâton magique, de ramener le peuple qui a peur. Mais nous voulons d'abord nous asseoir pour pouvoir préparer les élections. Nous ne refusons pas les élections, mais à cela que nous puissions d'abord préparer les conditions fiables, dignes. Donc, vous allez comprendre que M. Sassou, il a choisi les opposants. Les faux opposants, les Mathias Nzon, les Kolela, tous c'est des faux opposants qui ramènent Sassou Nguesso, il accompagne aux élections. Pour aller faire quoi? Sur le bien de qui? Mais non. Au bout d'un moment, il faut stopper cette spirale du mensonge. Oui, mais Eric Rondo, s'il vous plaît. Vous dites, longtemps vous avez commencé à le dire d'ailleurs, les faux opposants qu'il a choisis pour l'accompagner à son élection. Vous les appelez par faux opposants en raison de quoi exactement? Peut-être que c'est juste une vue d'esprit, c'est vous qui pensez comme ça. Pourquoi vous les appelez par faux opposants? Nous les appelons les faux opposants. Je peux vous faire une démonstration. Le monsieur qui a renversé le président, qui a été élu démocratiquement, le défunt président Pascal Issouba, lesquels qui l'ont ramené au pouvoir? Mathias Nzon, il a contribué également pour l'achat des armes pour ramener Sassou Nguesso au pouvoir. Après les combines qu'ils ont eu à faire, il a été ministre des Finances, monsieur Mathias Nzon. Dans ce même Mathias Nzon qui a été à l'origine à la destruction de beaucoup de banques qui sont tombées en faillite, il est protégé par le système. Prenons le cas de Parfait Kolela. Les élections de 2016, soi-disant qu'il était et celui qui avait gagné, il avait donné la confiance dans la justice congolaise, mais tout en sachant que la justice congolaise n'a jamais existé. La justice congolaise n'est que l'ombre même de l'expression. Donc, sur quelle base pouvons-nous amener ou pouvons-nous nous permettre d'aller aux élections? Et quant à Mathias Mabiala, pendant le mandat de président Pascal Issouba, ce dernier, il a été ministre de la Défense. Qui a fait la guerre avec M. Sassou Nguesso? C'est Pansassi Mabiala qui était ministre de la Défense. Et au jour d'aujourd'hui, ils sont devenus des vrais amis. Nous disons non, c'est assez. Ils ont assez trompé le peuple congolais. Longtemps qu'ils ont commencé cette chaise musicale, on est fatigué. Raison pour laquelle le peuple congolais n'a pas de représentant fiable. Nous,
la nouvelle génération que nous représentons. Nous ne pouvons plus accepter. Combien de générations ils ont détruit combien de générations? Et quand on parle en termes universitaires, une génération, c'est chaque 5 ans. Je parle en termes universitaires. Parce que lorsqu'on est à l'université de la première année jusqu'en troisième cycle, il faut compter 5 ans. Ce monsieur, ça fait depuis 1975 qu'il est au pouvoir. Ça fait combien de générations qu'il a détruit? Donc, vous et moi, on peut faire la règle de 3. Depuis combien de générations? Et aujourd'hui, il n'a jamais gagné aucune élection présidentielle. Celui, au moins, il se permet d'aller aux élections sur quelle base? Mais avant d'aller, nous ne nous refusons pas d'aller aux élections. Cela, avant qu'on puisse aller aux élections, préparons les conditions fiables, afin que le peuple soit rassuré que nous irons aux élections. Voilà. Mais entre-temps, le peuple nous pose des conditions sine qua non. Les hypothèses sont biaisées. Parce qu'un peuple, on ne peut pas amener un peuple dans l'obscurité. Le peuple doit savoir le chemin par lequel on l'amène. Donc, raison pour laquelle nous nous disons, nous voulons les élections. Avant cela, nous voulons d'abord nous asseoir comme, et cela est de coutume chez nous en Afrique, asseyons-nous au Mbongi, d'où le dialogue national inclusif qui va réunir tous les enfants, tous les Congolais. Nous allons voir pendant les années qu'il est resté au pouvoir. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Même l'eau, qui est au cœur de l'être humain, l'eau c'est la vie. Il n'y a pas l'eau au Congo, il n'y a pas l'eau courante. Sans compter, si je rentre en profondeur, le système éducatif est complètement chaotique. La santé est complètement détruite. Sur tout le plan, même les infrastructures, vous et moi, nous avons vu les quelques routes qu'il a construites. Tout est ruine. Mais vous, ça peut vous étonner, mais moi, personnellement, ça ne m'étonne pas. Parce que le monsieur, nous ne pouvons pas avoir un chef d'État qui n'a rien dans la tête. Il est nul. Donc, ce que René t'a dit, nous avons un chef d'État qui protège les voleurs. Ils sont venus au pouvoir. C'était des pauvres. Ils n'avaient pas des milliards. Mais aujourd'hui, regardez comment il y en a même certains qui fêtent des milliards. Donc, c'est lui. Donc, comme il a toujours assumé, il va assumer le bilan de tous ces voleurs qui sont autour de lui. Et ces voleurs disent, s'il n'y a pas M. Sassou Nguesso, il n'y a plus personne. Voyez-vous dans quelle mentalité qu'on peut se focaliser? Donc, c'est là où je dis que l'heure est grave. Nous nous disons que l'heure est grave. Le logiciel de gouvernance qui est au Congo-Brazzaville ne répond plus aux normes pour être compétitif, pour être parmi les pays émergents. Déjà, dès le départ, nous avons un problème de monnaie. Nous ne sommes pas un pays indépendant parce que nous avons une monnaie dont nous sommes sous l'influence de l'État français. Ça, vous le savez mieux que moi. Donc, déjà, il y a ce problème. Et en plus, ça s'ajoute encore d'autres soucis de la mal-gouvernance qui n'a que ce monsieur qui est au pouvoir avec ses enfants, sa famille et ses clans qui pillent le pays. Entre-temps, 99% de la population vit sous le seuil de la pauvreté. Ça, nous ne pouvons plus accepter en plein 21e siècle. Que pensez-vous des partisans de la candidature unique de l'opposition? Ceux qui pensent que en choisissant un candidat unique, qu'il proposerait à cette élection, pourrait gagner les élections. Qu'est-ce que vous pensez de cela? Monsieur Perrin, croyez-vous, dans un pays où il y a la dictature, le dictateur peut se permettre de laisser partir le pouvoir? Nous ne pouvons pas aller aux élections. Et quand nous avons aussi certains compatriotes qui sont emprisonnés, nous ne savons pas dans quelles conditions ils sont emprisonnés là-bas. Ils sont torturés peut-être, comme le pouvoir en place, ils sont capables de tout. Donc, regardez déjà la liste de ceux qu'il a eu à tuer. Non pas seulement il a commis les crimes économiques, il a aussi commis les crimes humains. Il y a eu des génocides dans le pays. Donc, un pays où il y a eu des guerres. Pendant les 20 ans qu'il est revenu au pouvoir, il n'a fait que de guerres dans le sud, y compris aussi dans le nord. Donc, de cela, nous ne pouvons pas aller aux élections sans pourtant connaître le nombre exact des Congolais qui sont restés en vie, d'où le recensement. Mais avant cela, nous, la nouvelle génération, nous proposons à ce gouvernement que nous puissions nous asseoir autour d'un bon lit, autour d'un dialogue national inclusif, afin qu'on puisse voir ensemble quelles sont les conditions qui font que le pays ne puisse pas avancer. Dans le même temps, vous pensez que ce sont des criminels, des voleurs, tout ce que vous avez dit, et vous pensez que vous pouvez encore vous asseoir avec... mais quelqu'un disait qu'on ne s'assoit pas avec des criminels, avec des terroristes. Qu'est-ce que vous en pensez? Nous ne sommes pas des guerriers. La seule guerre que nous pouvons mener, c'est au niveau de soit des médias et qu'on essaie de parler. Lui, il ne connaît pas cette notion d'échange. Lui, ce qu'il connaît, c'est la dictature, c'est de prendre les armes et se battre.
Nous ne voulons plus qu'il y ait du sang qui vont couler dans notre pays. Le Congo a suffisamment eu des deuils. Depuis 1975, je peux même vous citer, la liste elle est exhaustive, des gens qu'il a eu à tuer, des gens qui ne sont plus, il y en a même d'autres qui n'ont pas des tombes. Donc moi je crois que nous serons même amenés à lui proposer, à lui faire cette proposition. D'accord. Donc nous serons reconnaissants en ce sens. Monsieur Sassou, nous allons, si vous, et son pouvoir, et son parti unique, qui est le parti destructeur du Congo-Brazzaville, qui est le PCP, ils n'ont plus aucun candidat. Nous allons préparer les conditions meilleures pour la sortie crédible de Monsieur Sassou Nguesso, afin qu'il puisse laisser le pouvoir. Soit on lui laisse partir, malgré tous les fonds qu'il a eu à dilapider, l'argent du contribuable congolais, qu'il puisse partir dans le calme, pour éviter qu'il y ait encore d'autres morts. Et de permettre également qu'il y ait un processus alternatif dans notre pays. Parce que, imaginez, M. Perrin, un pays qui refuse le processus démocratique. Ce pays ne fait que étouffer l'économie, puisque les conséquences sont là. Parce que quand il y a l'alternance politique, on en a vu dans notre pays, lorsque René t'a dit, le suivant président qui va arriver, il va chercher à gommer les erreurs, à ne plus commettre les mêmes erreurs que son prédécesseur, il va chercher à faire mieux. Et vous allez voir que le pays va marcher, donc va se relever et aller de l'avant. Mais un pays qui refuse l'alternance politique, la démocratie probablement, ce pays ne peut que récolter les conséquences néfastes, d'où la faillite dans laquelle se trouve notre pays, dans une situation d'insolvabilité, même qui n'a plus de crédibilité au sein des bailleurs financiers, notamment le FMI, et grand nombre d'autres, sans compter les différents scandales financiers qui éclaboussent partout dans le monde entier avec les enfants de ce même monsieur. Donc, le monsieur qui n'a pas pu résoudre la situation, l'équation du peuple congolais depuis 1975, et ce monsieur qui veut se maintenir au pouvoir. C'est là où nous demandons, vous nos frères du PCT, et qu'on ne le veuille pas, même si on n'a pas la même vision, mais vous êtes nos frères. Nous, on peut vous aider. Qu'on puisse préparer la sortie d'innocent de M. Sassou Nguesso, de laisser la place à d'autres Congolais qui sont compétents. Notre pays a des gens qui sont compétents, qui ont étudié. Donc, nous ne pouvons accepter un pays comme le Congo, qui a ses cadres intellectuels, qui sont aujourd'hui à l'extérieur, qui peuvent amener cette valeur ajoutée. On ne peut pas rentrer au pays. Parce qu'on croit que lui, il veut qu'on puisse rester à l'étranger alors que le pays ne va pas bien. Nous, ça nous ferait par exemple du bien. Si le pays était bien, mais pourquoi pas qu'il puisse continuer? Si le pays marchait bien, même si le minimum que demande le peuple congolais, il peut manger. Les retraités, les pauvres retraités qui ont travaillé durant toute leur vie, qui ont épargné, ils sont peut-être à plus de 52 mois d'arrêt. Ils ne peuvent plus avoir ce petit indemnité qu'ils attendent jusqu'au dernier jour de leur vie. Les pauvres étudiants, l'étudiant congolais qui a perdu sa crédibilité, imaginez, en Afrique centrale. L'étudiant congolais d'hier, c'était un étudiant qui était respecté. Mais aujourd'hui, quand vous avez des étudiants congolais qui dorment dans des marchés, qui dorment dans des rues, M. Perrin, nous demandons à M. Sassou, même s'il a fait la guerre avec son peuple, nous allons lui préparer la sortie dignement, qu'il puisse partir, de permettre l'alternance, une alternance politique qui permettra que le nouveau président qui va venir, qu'il puisse plus commettre les mêmes erreurs pour sortir notre pays dans ce coup. Pour sortir notre pays dans la situation, dans ce marasme économique dans lequel se trouve le pays depuis des années. Et aujourd'hui, certes, il y a eu encore la crise et la crise sanitaire et qui vient encore s'ajouter. Mais avant cela, le Congo était déjà dans une situation de crise. Donc, imaginez crise, plus. Donc, nous allons, le peuple congolais, je me pose la question, comment ils font pour vivre? Comment ils font pour vivre? Oui, Eric Bondou, j'espère que votre message sera bien entendu par les partisans du Parti congolais du travail, mais je voulais un peu revenir sur, naturellement, puisque vous avez déjà lâché le mot, la pandémie, la nouvelle pandémie, la COVID-19. Comment est-ce que vous appréciez la gestion de cette pandémie au niveau du Congo? Nous avons un gouvernement des incompétents. Nous avons des voyous qui méritent la pendaison. Monsieur Eric Bondou, n'est-ce pas que vos mots sont trop durs? Vous parlez de pendaison, on est encore à l'époque des pendaisons, là. Mais non, mais monsieur Perrin, et même là, je suis large, même là, je suis gentil de prononcer la pendaison. Moi, je crois que, et quand nous regardons
la misère qu'ils infligent au peuple congolais. En tant qu'être humain, imaginez que je suis... Il y a des nuits où je ne dors pas. Et quand je regarde mon peuple, le peuple congolais ne mérite pas ça. Le peuple congolais, on n'est pas nombreux. Avec autant de richesses que nous avons, vous avez vu, par exemple, pour revenir à la question que vous m'avez posée sur la crise sanitaire, mais quel est ce gouvernement déjà dans les hôpitaux? Les hôpitaux sont complètement dans le chaos. Le CHU avait déjà fermé. Et vous savez, vous et moi, dans quel état délabreux où se trouve le CHU. Et récemment, nous avons vu les images à l'hôpital de Makelele. Dans un lit, il y a 3 personnes, des petits lits, monsieur Perrin. Imaginez, ça dit que ça m'a donné des questions. De 90 centimètres sur, voilà, et c'est vrai. 3 personnes dans un, il y en a même d'autres malades, étant déjà malades, qui dorment encore au sol. Donc, et quand un gouvernement qui permet, c'est-à-dire qui inflige au peuple de ne pas sortir, on a vu même le 25 décembre. Décembre, oui. Voilà, pour les chrétiens, pour la naissance de du Fils de Dieu, donc Jésus-Christ. Et lorsque nous savons qu'au Congo-Brazzaville, vous et moi, nous sommes nés au Congo, on a vu, c'est une grande fête. La naissance de Christ qui viendra encore, peut-être mettre la paix, voilà. Et les Congolais, ils étaient enfermés dans les maisons. Mais on en a vu tout à l'heure, moi je vous ai dit, il a pu corrompre les faux opposants et quelques faux opposants qui sont avec lui. Mais il y a une opposition qui n'a pas pu convaincre, c'est la famille. La misère. Le peuple congolais est sorti. Le peuple congolais l'a défié. Nous avons vu le peuple congolais qui sont sortis avec le couvert partout aux quatre coins du monde entier. Mais ça veut dire quoi? Mais c'est un échec total. Vous ne pouvez point faire enfermer un peuple de ne pas sortir quand le minimum n'est pas donné. Le minimum à manger, mais ce peuple, ils vont se retrouver dans la maison avec rien à manger. Mais vous avez le. Cependant, vous leur avez demandé de faire un effort, de respecter les consignes données, mais ce peuple n'a rien à manger. Là, c'est pour se moquer du peuple. Et ce faisant, comme eux, ils ne se contentent que de leurs avantages. Comme les élections arrivent, ils veulent que coûte, ce monsieur reste au pouvoir. Parce que ce monsieur, c'est lui qui protège les voleurs. Tous les scandales qu'il y a sur le plan financier, il les protège, ils sont intouchables. Et c'est des gens qui devraient avoir la peur de la loi. Mais c'est plutôt la loi qui a peur de toucher les membres du gouvernement. Où avez-vous vu ça, monsieur Perrin? Raison pour laquelle, moi, je crois que par le canal de cette chaîne, je voulais en interpeller le peuple congolais. Nous pensons que le temps est arrivé. Réveillez-vous. Longtemps, on vous a menti. Le peuple congolais, on en a vu au Sénégal, dans d'autres pays, soit au Mali, en Afrique de l'Ouest. Le peuple, dans d'autres pays, il suffit juste d'une augmentation du prix du riz pour voir le peuple comment il se lève. Mais même le président du Souba l'avait dit, le peuple congolais, c'est un peuple tout. Mais maintenant, ce peuple congolais, nous vous demandons, nous, la nouvelle génération, qui voulons que nous changeons ce logiciel, nous allons vous proposer des solutions fiables. Nous allons vous proposer un avenir meilleur. Ce que vous n'avez pas pu avoir avec ce monsieur qui va vous divertir, c'est ce que nous appelons le divertissement. On ne peut pas vous enfermer dans des maisons lorsqu'on ne vous donne pas le minimum. Lorsque nous regardons dans un pays où le seul secteur rentable, c'est le service de pompe funèbre. Voilà où se focalise l'économie congolaise, monsieur Perrin. Vous voyez que ça fait mal. L'économie congolaise aujourd'hui est fondée sur les services de pompe funèbre. Ça veut dire quoi? Les Congolais doivent mourir. C'est quand ils meurent, ça renfloue les caisses de l'État. Raison pour laquelle le peuple congolais, réveillez-vous. Vous avez une valeur ajoutée qui aujourd'hui se retrouve à l'extérieur, y compris les nationaux aussi, qui ont fait des études, mais qui n'ont jamais vu même la lumière d'un bulletin de salaire. C'est non, peuple congolais. Nous ne pouvons plus accepter cela. Nous n'avons pas les armes. Mais nous avons, avec les outils modernes que nous avons, le numérique, nous pouvons communiquer. Oui, il y a des gens qui m'ont dit, mais pourquoi ne venons pas sur le terrain? Lorsqu'il y a une guerre, tout le monde, on n'est pas appelé d'être des fantassins. Il y en a d'autres qui vous donnent. On peut être des éclaireurs pour vous dire, vous avez droit à ça, peuple congolais, vous avez droit à ça. Raison pour laquelle nous nous levons, nous nous disons, le mouvement congolais pour le renouveau, nous voulons renouveler la classe politique congolaise. Le renouvellement de la classe politique congolaise ne veut pas dire on veut se débarrasser des anciens. Non. Il y a des gens qui sont compétents au pays, qui n'ont jamais été aux affaires. Pourquoi pas également, au vu de l'état de notre pays, de venir au secours du Congo? Parce qu'il y a des gens qui ont juré dans leur vie qu'ils ne pourront jamais faire la politique. Mais si tous nous parlons avec ce langage, nous allons voir le Congo disparaître. Nous pensons que non. On peut aider notre pays
Donc, raison pour laquelle nous nous demandons, peuple congolais, étant donné qu'on vous a infligé de ne plus sortir pendant ce Covid, la journée, le mois de mars, vous allez rester à la maison. Vous n'allez pas vous permettre d'aller prendre les petits t-shirts qu'on vous donne. Non, peuple congolais, réfléchissez. Ils ont fait des placements financiers, ils ont volé l'argent. Imaginez encore là où je dirais que ces gens-là, ce gouvernement de voyous, de tocards, qui mériteraient même la pomme des eaux. Ils ont englouti les 14 000 milliards, l'argent des générations futures. Où est parti l'argent? C'est là où je disais, si on avait un parlement qui était crédible et digne, ils allaient chercher par voies et moyens lesquels qui ont pillé et dilapidé les 14 000 milliards, l'argent des générations futures, qui a disparu complètement, plus personne n'en parle. Où est le président de l'Assemblée? Alors que le député, c'est l'élu du peuple, celui qui représente le peuple. Le Parlement congolais devrait être la maison des Congolais. Ce qui n'est pas le cas. Ce Parlement congolais, le contraire, représente une chambre d'enregistrement qui satisfait les intérêts de l'entreprise de Sassou. Donc, ces députés qui votent les lois, c'est pour satisfaire leur chef d'entreprise, qui n'est que M. Sassou Nguesso. Eric Bondou. Oui, évidemment, vous parlez de 14 000 milliards qui ont été dilapidés et qui n'ont plus de traces. Personne n'est inquiété, personne n'est interpellé, évidemment. C'est quand même bizarre parce que 14 000 milliards, rappelons-le, représentent quand même près de 6 ans de budget de fonctionnement de l'État congolais. C'est beaucoup exactement d'argent. Exactement. Alors, mais moi, j'étais sur la COVID-19. Comment vous interprétez ce message envoyé par Denis Sassou Nguesso, qui rassemble autour de lui des centaines, sinon des milliers de gens non protégés, qui violent les mesures barrières? Quelle interprétation vous faites de ce message qu'il envoie au monde entier? Est-ce pour dire que la COVID, finalement, n'existe pas? Nous sommes dans un état voyou. Lui, quel est d'abord le modèle, l'exemplaire, de montrer, de porter le masque, il ne le fait pas. Mais ça veut dire quoi? Non, pour lui, c'est un non-événement. Et qu'on lui parle le masque, ce n'est pas son problème. Le peuple congolais peut mourir. Puisque tout à l'heure, je vous ai dit, la seule entreprise rentable au Congo-Brazzaville, c'est les services mortuaires, les pompes funèbres. Voilà le secteur qui est devenu rentable, qui pérennise le pouvoir de M. Sassou Nguesso. Donc, moi, ça ne m'étonne pas. Mais quelle image qu'il peut donner au monde entier? D'un président voyou qui mérite la pendaison. Mais non, M. Perrin. Donc, il faut que le peuple congolais doit dire stop. Nous voulons un peuple vigilant. Ce peuple, on a fait de vous les zombies, c'est fini, les paillassons. Il faut stopper cette hémorragie. C'est là où nous disons ceci. Il faut changer le logiciel de la classe publique. Nous voulons voir les hommes nouveaux. Parce que peuple congolais, l'histoire, les gens vous regardent aux quatre coins du monde. Et nous ne voulons plus qu'on soit toujours les hommes. Parce qu'après, vous allez pleurer. Oh, rien ne marche. Mais nous avons, vous avez la décision. Longtemps, on a dit de vous qu'on avait un peuple fainéant, ce même Sassou. Alors que c'est lui qui pille l'argent des Congolais. Il va insulter les Congolais à l'extérieur. Malheureusement que moi, dans mon pays, j'ai mon peuple qui est fainéant. Mais Monsieur Sassou, avez-vous donné du travail au peuple congolais? Regardez encore ce qui est spectaculaire. À l'époque, dans chaque région, on avait des fermes. Il a fait le tout de détruire toutes les fermes des autres régions, de ramener la ferme chez lui à Oyo. Que vous trouvez ça normal? Ça, c'est un président qui est intelligent. C'est un président voyou et dont je dis qui n'a rien dans la tête. Avez-vous déjà vu un aveugle conduire toute une population, tout un peuple? Non. Moi, je crois que l'histoire est là. Aujourd'hui, il a fait du mal à tous ceux qui croyaient qu'ils étaient ses adversaires. Il les a fait disparaître. La liste, elle est exhaustive. Les Exonsikonga, les Katali, les Nsuru, les Milongo, les Monseigneur Nkombo, les Bernard Kolela Père. La liste, elle est exhaustive. Moi, je peux même me permettre et de citer les Blaise Adoua, les Motondo, les Onche Onga, Odzonsi Konga, Xavier Katali, Buissama Toko, Kakala, le procureur Nzuala, Maître Malonga, Milongo. Pendant que vous citez tous ces noms, je veux bien, mais bon, est-ce qu'il y a réellement les éléments d'appréciation là-dessus pour dire qu'évidemment c'est lui le coupable, c'est lui l'auteur de tous ces crimes? Mais bien sûr, monsieur, mais monsieur Perrin, mais c'est bien, mais c'est lui, mais regardez, mais quand lui il est aux affaires, est-ce que avez-vous déjà encore entendu au Congo, parce que lui il y a eu des coups d'État, quand il est aux affaires, il ne peut se passer aucun coup d'État au Congo. Le mal du Congo, c'est lui. Ça, nous le réitérons. Donc, malgré, et là encore, je veux me permettre sur votre chaîne, répondre à sa fille la fois dernière qui est venue dire que oui, quand à l'époque, le peuple congolais ne se lançait pas dans la boisson, dans l'alcool, et aujourd'hui, le peuple congolais est devenu fainéant. Mais si le peuple congolais est devenu fainéant, c'est à cause de votre papa, c'est à cause de Nguesso. Vous pillez la richesse du peuple congolais.
Vous rendez le peuple congolais mendiant. Voilà les résultats du travail accompli par votre père, M. Sassou Nguesso, qui a ruiné le Congo sur tous les plans politiques et économiques, et dont le peuple congolais ne peut rien attendre de lui. Si depuis 1975, il est aux affaires, ça fait plus de 46 ans, peuple congolais, réveillez-vous. Peuple congolais, ne vous aventuriez plus d'aller aux élections. Sur quelle base vous irez aux élections? Un échoué restera toujours un échoué. Et ce monsieur n'a jamais été compétent dans sa vie. Regardez même récemment, il n'a jamais fait l'université. Il va se prendre des titres au-delà, comme quoi, mais qu'est-ce qu'il a fait de bon? Puisque l'école, c'est la base. L'école, c'est même la fondation, la jeunesse. Lui, il a détruit la jeunesse. Mais tout ce monde, je crois qu'il mérite la pendaison. Quand le Congo va revenir, va retrouver l'image, parce que il faut se le dire, cette situation va se terminer. On a vu ce qui s'est passé avec Mobutu, qui se croyait éternellement. On a vu avec les Kadhafi. Nous ne maîtrisons pas le temps, mais laissons la nature faire les choses. Mais cela dit, le peuple congolais, vous avez votre destin entre vos mains. Nous avons le destin du Congo. Et nous voulons le changement de la classe politique. Nous voulons des hommes nouveaux, avec le concept d'éthique et de la moralisation de la vie publique au Congo va venir. Pas tel que ça se trouve avec ces voyous, lui qui protège ces voyous. De toute façon, quand la vraie justice naîtra au Congo, tout l'argent qu'ils ont placé dans les paradis fiscaux, nous allons récupérer cet argent. Et ils seront conduits en justice, lui et son gouvernement. Même les fameux députés qui ont pris l'argent du peuple congolais, on les paye pour rien, pour aller satisfaire, pour aller voter les lois protégeant le pouvoir de M. Sassou Nguesso. Raison pour laquelle il faut stopper cette hémorragie. Peuple congolais, l'heure est grave. Peuple congolais, ne vous laissez plus manipuler. Peuple congolais, le destin de notre pays se trouve entre vos mains. Il est temps d'agir. J'espère que le message est bien passé. Éric Bandou, malheureusement, à la télé, alors c'est l'heure. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Vous avez quelques secondes pour vous adresser probablement à votre jeunesse, à vos membres. Et voilà, après, sera totalement la fin de notre émission. Quelques secondes, un mot de la fin. Merci, Monsieur Perrin. Peuple congolais, comme vous pouvez le constater, avec beaucoup d'énergie, d'engouement et de détermination, je me suis permis de venir vous parler, que ce soit aux quatre coins du Congo-Brazzaville. Nous demandons de nous écouter, de ne pas aller aux élections. Ces élections, c'est un non-événement pour un Congolais réfléchi, pour un Congolais qui voit l'avenir de ses enfants, pour un Congolais qui voit l'avenir de la jeunesse congolaise. Ces élections, c'est non-avenu. Raison pour laquelle nous vous demandons, par ailleurs, exiger un dialogue national inclusif où va se retrouver tous les Congolais pour voir la situation du Congo, comment nous allons pouvoir pallier à cela, relever le Congo, pour que le Congo retrouve l'image qui caractérisait le Congolais d'être parmi les meilleurs de l'Afrique centrale. Et cela, peuple congolais, on n'est pas contre les élections. Mais nous ne pouvons pas aller aux élections dans des conditions pareilles. Même s'ils ont acheté les armes avec les engins de les armes à destruction massive, peuple congolais, n'allez pas céder au chantage. N'allez pas prendre les 2000 francs CFA avec les t-shirts. Ils vont vous avoir au travers ces petites choses. Mais je crois que votre vie est plus que les miettes, même pas les miettes, les t-shirts et les 2000 francs CFA qu'ils vont vous présenter et qu'ils vont vous proposer. Vous allez vous approvisionner avec ça pour combien de jours? Ils ont détruit la jeunesse. Ils ont poussé la jeunesse dans l'alcoolisme. Peuple congolais, nous voulons du nouveau. Dans tout le continent en Afrique centrale, ça a bougé, ça a changé. Il n'y a qu'au Congo, Brazzaville, où ça n'a pas changé. Nous ne faisons que reculer en arrière. Le destin de notre pays se trouve entre vos mains. Aucun chef d'État ne peut être au-dessus de la loi. C'est le peuple qui décide. Le pouvoir au peuple. Peuple congolais. J'ai ainsi parlé. Vive le Congo Brazzaville. Merci. En tout cas, merci Éric Bandou. Je rappelle que vous êtes président du mouvement congolais pour le renouveau et merci d'avoir accepté notre invitation. Notre chaîne reste à vous et nos portes sont ouvertes. Vous pourrez repasser comme vous souhaiterez. Merci. Nous serons là pour vous servir et pour informer le peuple congolais.
Quant à vous, chers téléspectateurs, merci encore de votre fidélité et d'avoir consacré à votre temps aussi précieux pour nous suivre. On se retrouve donc prochainement avec le même plaisir. Mais en attendant, portez-vous très bien. Merci. Audio Jungle.